Oui, enfin le stream de l'infini. Yes. Ah, level 39, enfin on y arrive. Je me suis retenu de pas beaucoup jouer ce week-end. Tout ça pour vous passer le level 40 avec vous, pour que ça soit un peu plus solennel. Enfin, enfin, on arrive au bout du Lorank. On va commencer les vrais monstres. Ah, surtout que là j'ai tweeté une image d'un Estrelian mort. Oui, j'ai pu en affronter un et je vous jure que j'ai tremblé de tout mon corps. C'était tellement bon de se faire un monstre aussi imposant qui a autant de prestance. C'était génial. On va tout de suite commencer par faire notre dernier level. Après on n'aura plus cette foutue limite d'XP. On n'aura plus que les tickets et tout ça. On pourra farmer comme on veut, comme on l'entend. Ça va être cool. Ça va être trop cool. Après on va pouvoir faire des chasses avec les viewers. On va pouvoir payer les gens, des choses comme ça. On va pouvoir faire des vrais monstres. Enfin. J'ai hâte. Je suis trop hypé là pour l'instant. Je suis beaucoup trop hypé. Le level 40, enfin, allez. Lance-toi le jeu, j'ai envie de jouer. J'en peux plus. J'ai attendu ce moment de tout le week-end, j'ai attendu ce moment de reprendre le live pour passer ce foutu level 40, même si j'ai encore un petit peu de boulot. Alors, attendez, hop, on règle la manette. Paf. Donc, on était avec notre arme de balayer ce species qui paralyse et elle fait le taf, croyez-moi. Croyez-moi qu'elle fait le taf à mort. La paralysie, elle est craquée dans ce jeu. Elle est complètement craquée. D'accord. Il y a un espèce de timer. Alors, on va regarder un petit peu. On va prendre tous nos cadeaux parce que... Ah, ça a été refresh. Parfait. Alors, voyons voir les cadeaux. J'ai trop hâte. Surtout que j'ai un énorme cadeau qui m'attend. Dans mon coffre, j'ai trop... Ah, 6000 de pognon, carrément, comme ça. Ah oui, non, mais là, s'il me gâte... Moi, j'aime bien l'argent, quand même. Et surtout que là, on va en avoir extrêmement besoin, parce que le prix des armes est complètement craqué, et on va se vider le porte-monnaie là-dedans. On va aller tout de suite faire la suite de quête, on va quand même enchaîner. Ah, bon sang, bonsoir, le level 39, allez. Dernière ligne droite et après on n'a plus cette foutue limite d'XP. On va pouvoir chasser comme des gros sales. Même si on a du contenu, on a quand même 3-4 heures de jeu je pense. Avec la limite d'XP. Mais là... oui, et voilà. Voilà. En fait la vraie raison pourquoi j'ai pas joué et j'ai pas avancé, je suis resté level 39, c'est pour ça. Cette icône là, c'est l'Estrelian. Et l'Estrelian, je sais que vous l'attendez. Je sais que vous en rêvez, que vous voulez le voir, et moi aussi je suis trop hypé. Donc on va quand même respecter le monstre, hein. on va prendre ce qu'il faut, on va vider nos poches. J'ai pas été à ma ferme, tant pis, c'est pas grave. Paf. Alors, qu'est-ce qu'on peut se prendre d'intéressant? J'ai pris mes aiguisoirs, j'ai pris mes trucs pour manger. Ah oui, puis j'ai aussi pas mal de tickets, j'ai pas mal de choses comme ça, on va pouvoir même changer d'arme si on le désire. On va essayer de voir un petit peu les tutos Gunlance, les choses comme ça. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai trop envie de le chasser maintenant. Par contre, je suis désolé à ceux qui disent que le jeu va être répétitif, parce que oui, effectivement, je vais farmer l'Estrelian comme un gros sale, probablement en live, avec vous. Pour pouvoir se faire toutes les armes, pour se faire tout... peut-être pas toutes les armes, on va essayer de farmer quand même efficacement. Mais au moins se faire deux sets d'armure complets. Se faire un katana, ça c'est sûr et certain parce qu'il est trop classe. Même si j'ai pas encore vu vraiment. Mais voilà quoi. Se faire les quelques armes sur lesquelles on veut tryhard un petit peu, qu'on veut changer. D'ailleurs pour la deuxième arme que je vais devoir maîtriser... je sais pas si je ferais pas un Stropole pour voir ce que les gens veulent voir en fait, et apprendre
au fur et à mesure, même si je suis pas exceptionnel, on est là pour apprendre, on est là pour découvrir. Donc on n'est pas là pour voir un joueur professionnel. Alors hop, on prend bien tous les trucs, parce que pour moi, au niveau de la dalle, au niveau de la barre de stamina, ça fond assez vite avec le talent gourmand. Je sais plus, non, c'est glouton, il me semble, du Kungalala doré. Ah là 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 là, ah là là, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Alors j'espère que ça va pas être une quête genre il va fuir ou quoi que ce soit, ça serait... faut qu'on aille en... Je sais plus, je crois que c'est en 8. J'ai un doute. Oui, je crois que c'est ça, c'est en 8. Hein. Allez, bada 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 bada. On a la couleur de Hamtaro. Hop. Oui. Ça se trouve, faut aller dans le portail. Non, je déconne. Ah là là, j'ai trop trop hâte de le voir. Il est tellement beau ce monstre en même temps. Alors attendez, parce que j'ai oublié de faire. Ça c'est la deuxième barre où c'est sans mode panic button. Où c'est mes ressources à moi. Mais que j'ai pas trop envie de les utiliser, donc forcément, à part les potions évidemment pour... Oh là 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 là, comment on se retrouve mon tout beau. Oh là là, t'es magnifique, ouais moi aussi je t'aime. Allez tiens, prends-toi ça. Voilà, voilà. Oh là là, je vais essayer de le filmer un petit peu. Voilà, il fait un grand angle tout seul, il est magnifique. Voir un petit peu les animations de ta bestiole. Oh là, il est beau. Oh là, oh, regardez-moi cette carrure, cette posture, il est incroyable ce monstre. Il est magnifique. Un petit peu lent, mais... Tiens, tiens. C'est pas parce que t'es clair. Oh merde, je vais prendre le coup de queue. Voilà. Et par contre, sa queue est extrêmement longue, donc c'est extrêmement perturbant pour moi de l'esquiver maintenant que j'ai pas vraiment fait affronter des monstres à très très longue queue. On va essayer de la lui couper d'ailleurs. Oh là là, ça y est, il est déjà passé en rage, il est en mode enragé de l'infini. Il est résistant. Oh là là, ça y est, je bonk. Je bonk, je bonk. Ouais, alors attention aux insectes hein, qui vont. Ah là il est enragé, là il est déployé de tout son potentiel. Là. Je pense que ça va commencer à venir vraiment intéressant. Eh ouais mon gars, Zbla. Ah il était assez lent au départ, mais là il est bien bien vénère quand même. Hein. Il pique bien en plus. Son armure, alors par contre faut faire attention aux insectes. Oh là là, oh là là, le monstre! Tiens! Il me semble qu'on peut le. Quelque chose comme stun en tuant les insectes, il me semble. Que ça lui fait pas du bien. Je pense qu'il doit y avoir un truc. Ouais, il lag un peu. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a tout. Il y a tout qui lag un petit peu, je suis désolé. Le jeu a tendance à frisser. Oh, c'est pas très bon ça. Il tue ses propres insectes. Ses propres ennemis. Je pense que c'est ces gars qui l'influent des magies ou je ne sais quoi. Mais. La seule chose que je sais. Oh là là, il est en train de tout péter. Il est en train de tout péter. Laisse-moi tranquille. Je veux juste boire une potion. Ah, je joue safe, hein. Je suis désolé. Oh là là. Il me bourre. Je me fais bourrer par le monstre. Ah non, ça c'est chiant, ça, par contre. Attends. On va quand même boire la potion qu'on voulait boire. Voilà, on se met bien. Et le monstre, je vais te touiller. Charge-moi, je fonce dans le truc là, j'ai envie que tu détruises un petit peu tout ce qu'il y a là, parce qu'apparemment il y a peut-être quelque chose, hein, ça se trouve. Ah non. Laisse-moi tranquille, il y avait tes coups d'assail. Ça y est, il pète tout. Oh là là, il y a tout qui se casse la gueule. Il y a une dernière branche. Est-ce que ça sera ça? Peut-être. Non, ça n'a pas l'air d'être ça, ça a l'air d'être un élément du décor.
Oh toi, tiens, fais pas le beau, fais pas le fier. Par contre, j'ai mon tranchant qui est déjà vert. C'est pas super cool. On va essayer de... Ouais, c'est... Oh là, je crois que je respecte pas le monstre et je vais me tuer. Non, ça va. Ah bah non. Allez, on va commencer à attaquer quand même parce qu'on est là pour chasser le monstre. Hop. Il a quelques freezes, c'est pas le monstre, c'est pas ses patterns normales. C'est vraiment peut-être la connexion qui a un petit peu du mal. Ah, je l'ai pas eu, je suis dégoûté. Alors, je sais pas s'il peut par contre se faire paralyser. S'il y en a qui ont cette information, n'hésitez pas à me le dire. Excusez-moi, hein. Le téléphone qui est dissident. Meurs. Bien. Aïe. Il me le rend bien quand même, hein. C'est assez perturbant de pas le voir vraiment bouger correctement parce que les petits freeze là, c'était pas le meilleur moment pour la Gelipu. Non! J'ai même pas pu toucher. Je vais essayer de taper dans son flanc parce qu'il a l'air d'être assez sensible. Ça a l'air d'être assez safe aussi. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec ces insectes. Ouais, il y a un truc à faire avec ces insectes. C'est sûr et certain. Il est pas bien à chaque fois. Ah, quoique, il est peut-être passé en rage. Non, c'est... Ouh! Le coup de queue, la base. Ah, il est plus marqué. Je vais essayer de le marquer parce que j'ai pas envie de ça. C'est un Megazord, machin. Il me fait trop penser à un Megazord. Aïe. Allez, go go go. Allez, c'est très bien. Tellement beau. Plus, son corps comme ça là, en mode. Ça y est, je suis passé en rouge, on va commencer à faire de vrais dégâts, on va commencer à parler. J'ai l'impression que ma barre se charge plus vite. Alors c'est peut-être parce que je prends beaucoup plus de dégâts. J'ai l'impression de bugger. Je crois que j'ai bugué. C'est bon. Allez, viens par ici. Oh là là, ce coup de queue est très difficile à esquiver au final. Hein. Il marche dessus, il y a pas la base. Faut voir que je réalise. Parce que je peux pas me permettre en fait d'être en tranchant parce que j'ai tendance à rebondir sur ces écailles un peu endurcies. Donc il me faut un maximum de tranchants. Pour lui faire maximum aussi de dégâts. On va éviter de... Ah merde, je pensais pouvoir l'esquiver, mais j'ai pas eu le temps. En fait, sa queue est extrêmement chiante, parce que du coup, elle est gigantesque, et sur les moindres mouvements, elle vous balaye. Attention, parce que je fais pas le malin. Je fais le malin dans le ravin. Ouh, la petite patate qui va bien. C'est bleu.
Ah, moi je pensais pas. Je pensais pas de le prendre. Je fais. Oh, je l'ai esquivé. Oh là, qui freeze. Forcément. On va pas tarder à utiliser l'ultime. Je savais qu'il allait tomber et qu'il allait pas être bien. Peut-être que faut que je focus peut-être un peu plus les insectes. Il a l'air de les tuer lui-même, donc c'est bizarre. C'est pas vraiment la relation qu'il a avec ses insectes, on sait que ça fait un peu partout. Ah, il est mort. Il est mort en même temps qu'on se donnait un coup. C'est beau. En même temps, il faut dire que j'ai bien farmé, donc forcément... Oh là là, il est magnifique ce monstre, il est magnifique. Deuxième Estrelian. Allez, on prend le steak. On prend ce qui nous revient de droit. Alors, on est bien d'accord, est-ce que c'est un dragon ancien ou pas? Du coup. Est-ce que c'est un dragon ancien ou pas? Peut-être. Pour moi, ça serait un dragon ancien, ça serait pas une wyverne volante. Peut-être, ah si, peut-être. Oh là là, regardez-moi cette tête, cette bouille. Oh, les effets qu'il y a sur son corps et tout. Le monstre, il est trop beau, quoi. Alors, sa queue, ça doit être un sacré morceau à couper. Il va faire un câlin. Oh la vache. Monster Hunter Online, les gens, hein. Monster Hunter Online. Alors attendez. Parce que je regarde un petit peu le retour que j'ai. Le retour que j'ai. Oui, ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon, c'est très très bon. Voilà. Ah, une corne. Même si je vais pas vraiment casser quoi que ce soit au niveau des parties. Bon bah je suis bien content même si ça s'est un peu mal passé quand même, hein. J'avoue que je me suis pris énormément de coups. Heureusement que l'ulti fait le café. Je vais peut-être prendre l'autre en fait. L'autre il est sympa parce qu'il a le pouvoir de stun, même si celui-là fait pas mal de dégâts. Disons que celui-là il est facile à placer quoi. Celui-là il est un peu plus difficile mais en même temps il fait je pense plus de dégâts au final. Parce qu'il fait pas mal de petits coups, bam bam, splam, splam. Et en plus il augmente votre fougue, donc Je sais pas. Non, je pense garder celui-là. Il est trop facile à placer, il est trop... C'est trop sympa et puis c'est trop classe quand on finit un monstre en mode zblé. Tu ne le savais pas encore, mais tu es déjà mort. Ou les... Je sais plus c'est quoi la technique de... du squelette dans une pièce. Je sais même plus son nom. Brooke. Eh ouais, les gars! Je me suis fait un Estrelian! Ouais. Allez, go. Oh là là, première Estrelian en live. Piou! Je sens que ces herbes vont me coûter un de ces paquets de pognon. Je le sens très très mal. Le plaisir qui cuit toujours. Ça fait 50 ans qu'il est en train de cuire. C'est une préparation, c'est comme dans Toriko. C'est les préparations de 10 milliards d'années. À peu près. Ce jeu, c'est un peu comme Toriko, en fait. On va chercher des morceaux de monstres. Pas pour les bouffer, mais pour s'habiller cul. Et ouais. Et là, reach the level 40. Voilà. The level 40. Très très bien biscuit. Tu as un accent anglais absolument divin. On va aller regarder le forgeron quand même, on va aller se faire le petit plaisir de regarder le forgeron et de voir ce qu'on peut se crafter comme arme et armure, combien de défense ça a. Parce que, surtout que là je pense qu'on va passer à un autre level d'armure, un autre palier entre guillemets de défense. Alors déjà l'arme, parce que voilà, faut se faire plaisir quand même. Oh là 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 là, oh ce steak! Oh là là, j'aime beaucoup. Alors, du coup, 118 de raw avec moins 7 à l'infinité.
Elle est pas extrêmement folle. Hein. Elle est pas extrêmement folle. Elle tape fort. Est-ce qu'elle tape... Oui, elle tape plus fort que le Blanc Gonga. Elle a quand même pas mal de dégâts en plus, mais elle a le moins 7 à l'affinité. C'est en gros un Tigrex. C'est l'arme Tigrex pour correspondre. Ah, et du coup, on peut se crafter. Voilà, les vraies armures. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça! Mais comment vous voulez porter autre chose que ça? Mais c'est trop stylé! Je peux pas porter autre chose que ça! Je suis désolé! Déjà, est-ce qu'on peut se crafter un morceau? Non. Alors, il me faut les pierres et les insectes, ça va. Il me faut de la corde, de la carapace. Il me faut plus de carapace. Alors, attendez. Non, c'est de la carapace verte et de la carapace blanche. J'ai du sang d'estrémienne. Je pense que c'est du sang d'estrémienne ou peut-être un jus. Salut, Héliotosaur! Il me faut plus de carapace. Mais c'est pas fou au niveau de... Au niveau de... Ah oui, c'est... Par contre, c'est là. C'est là où ça va commencer à galérer. C'est la plaque... J'en ai eu déjà 2 sur 3. Ma première chasse à l'estrélienne que j'avais fait sur une autre quête, c'était une quête secondaire. Et j'ai chopé deux trucs comme ça, donc c'est très très cool. Elle est pas si compliquée. Ah oui, il y a les ailes. Il y a les ailes ? Il y a des ailes, ce monstre ? Ah oui, peut-être sur le dos. Je sais pas. De toute façon, on va farmer ça. Là, on va se farmer ça. Héliotosaur, je vais... Attendez, je vais changer de channel TeamSpeak. Hop. Ça y est, Héliotosaur. Ça y est. Le level 40 arrive. Bienvenue à toi. Enfin. Enfin, on s'est fait le premier combat avec les Strelian. Qui est trop trop classe, ce monstre. Et j'ai trop trop hâte d'avoir son stuff. Son stuff a l'air génial. T'as eu du bol parce que mes plaques, je les ai eues à mon 15e. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Tu pourras pas venir? Ah, c'est dommage, c'est dommage. On va essayer de... On va quand même le farmer, on va se faire un petit plaisir, on va quand même le farmer. Parce que là... C'est trop trop bien. C'est trop trop bien, là. On arrive sur le HR et tout. Ça va être génial. Oui, non, fuck this shit. Hop. L'Estrelian. Abouler les monnaies, la monnaie. Ah, bon sang de bonsoir, j'ai trop hâte de passer level 40. J'ai trop hâte d'avoir cette armure qui est trop classe. Hein. Franchement, elle est extrêmement classe. Elle est bien bien détaillée comme j'aime bien. On va passer de l'armure Mad Max avec des morceaux de cuir un peu partout en mode on pif ça là. À une armure complète d'Estrelian trop classe. Ça va... J'ai même pas vu la défense, j'ai même pas regardé. Je sais juste que je vais la mettre parce qu'elle est trop classe. Même si elle me faisait défense moins 10 000 et que je me faisais one shot à chaque coup, ouais, quoique, peut-être pas. Faut pas abuser. Mais je pense que je la mettrais en mode fanboy le plus absolu. Elle est trop trop classe. Alors, il y a des trucs aussi qu'il faudrait que je m'occupe. Alors, déjà, il y a mon caillou. Il y a mon caillou. Mon bijou que j'ai augmenté. Ça, je vais le garder. Je vais le garder dans ma poche parce que je sens que je vais l'oublier sinon. Allez, go, un petit Estrelian. Ouais, la Great Sword, allez OP pour... Elle est chaude. Elle est chaude pour un Estrelian, là. Ça fait toujours plaisir, un Estrelian. Enfin, un vrai monstre. Je vous raconte pas, quand je l'ai eu dans la quête, en quête secondaire, entre guillemets, que je l'ai vu. Là, j'ai fait... You're talking to me? Je l'ai déboîté. J'en pouvais plus. J'ai fait... Oh, mon Dieu, ouais. Dommage que je local record pas ça. J'étais... En mode ouf. Ah, mais je lui ai tout volé. Mais je lui ai tout volé comme un gros... Oh. Voilà, hein. Je suis la pire des pourritures. Ça me déçoit parce que c'est une merde, ce mob. Mais non. Mais il est classe. Alors, petite astuce... que je ne fais pas, bien évidemment. Quand vous tombez d'un truc comme ça, go... Ah, il fait du Kelby. Donc, il a besoin de morceaux de Kelby. Il y a peut-être l'arc en Kelby qui est aussi craqué que dans les MHFU. Je ne sais pas. Avec le...
C'était quoi? Il avait un enduit spécial qui augmentait sa puissance de façon significative ou je sais plus quoi. Je sais que l'arc Kelby était OP. Je me rappelle, on avait discuté sur lors d'un live sur M-Master. Vous allez me voir utiliser souvent ce coup parce que je l'adore au final. Le coup sur le côté est ultra rapide et en plus, il se combotte très très bien avec la fougue. Donc c'est cool. Bon, on va faire pareil que monsieur, on va récolter tranquillement. Mais c'est vrai qu'au niveau de difficulté, il est pas super ouf comme monstre, mais au moins il a de la prestance. C'est pas comme un casu dégueulasse. Moi, il me fait vibrer ce monstre, malgré tout. Il me fait vibrer parce qu'il est vraiment trop trop cool. Allez, c'est parti. Alors, je risque de laguer un petit peu. J'ai la connexion qui est pas folle ce soir. Elle a décidé de m'emmerder. Mais non, tu ne feras pas un live de 5 heures, tranquille. Il y aura peut-être une petite pause de... Mais il est où le monstre? Ah, il est là. Quand même, quand même. Tiens! Ah ouais, carrément, il arrive d'entrée, il pète un morceau d'arbre. Paf, la patate. Par rapport à la tête, c'est un gros caca. Bah c'est sûr que s'il lui mettait un peu plus de dégâts, je pense que le monstre serait plus intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des astuces particulières à savoir pour ce monstre? Parce que je les vois bien, donc on va le farmer. Donc, alors, déjà, est-ce qu'il est sensible à la paralysie? C'est très important, parce que du coup, s'il n'est pas sensible à la paralysie, je vais changer d'arme. Je vais prendre une arme avec une grosse roue et je vais lui bourrer la gueule. En mode, je suis le dieu des papillons. What? Wouh! Ça, il me l'avait pas fait encore. Tiens! Alors, par contre, rebondir en tranchant bleu, ça me déçoit un petit peu. Est-ce qu'il faut pas focus ces insectes? Ne pas attaquer durant sa deuxième phase. Alors c'est ça sa deuxième phase? Je crois qu'il est pas sensible à la para, d'accord. Okay. Parce que sur tous les combats que j'ai fait, enfin les deux seuls combats que j'ai fait pour l'instant... What? Ah non, bah tu te barres pas, t'es pas sérieux. Ouais, ça se casse en couille. Ça part en couille. La musique a bugué. Le monstre a bugué, je répète. Il n'y a plus de musique. Je veux ma musique. C'était avant quand tu rebondissais, d'accord, ok. Meurs, meurs, meurs. Sa queue, elle est coupable aussi. Une longue queue comme ça, ça doit être coupable, ce steak. Oh le relou. Oh le relou, le relou. Avec ces insectes nuls. Le Dragon, il fait pas mal de dégâts quand même. Hein. Ça me picote un petit peu au niveau du ventre. Oh là, il est en mode vénère. Ah, bah il a tué mon camarade, HR6, qui je pense lui aussi a envie de farmer le monstre. Tiens! Tranchable et cassable. D'accord. Je pense qu'il faut d'abord la casser avant de la trancher. Comme beaucoup de monstres d'ailleurs. Oh là là, il n'y a plus de musique, c'est perturbant. Alors est-ce qu'il faut détruire ces insectes ou quelque chose comme ça pour le stun ou je sais pas quoi, parce qu'à chaque fois j'avais remarqué, à chaque fois que je mettais un grand coup de slam dans ces insectes. Non, laisse-moi tranquille. Merci. Il était en mode ah, j'ai mal, mon dieu, qu'est-ce que je souffre. On va essayer de lui casser sa... trancher sa belle petite queue. Voilà. Hop, quand même. Neuf tranches en vert.
Mais non, mais arrête de bouger au moment où je le veux. Merde. Ah, ce fouettage de queue. On va entendre beaucoup de queue hein, ce soir, je vous préviens. Je suis passé tellement en dessous. Ouais, gros boom aussi. Hein, voilà, tiens. Aïe. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi, je veux juste t'aiguiser. Alors, qu'est-ce que ça fait de péter toutes les tous les morceaux, là? Est-ce que ça fait quelque chose de particulier? Est-ce que... Non. Je ne sais pas. Ah, ça y est, il y a l'autre qui est revenu. Il a pris les gros, en plus. Parfait. Hop. Je vais pouvoir m'occuper. T'inquiète, j'adore les queues. Ce stream va partir en couille. Oups. Allons. Ouh. Du saut de queue. Je crois pas, vu que... Ah non. Ah oui, c'est vrai que ça doit être un monstre. Il doit être rigolo à faire en arc. J'ai pas réussi à la toucher, sinon c'est chiant. Meurs! Allez, coupe-toi! Du coup, il est un peu moins épique sans musique. C'est chiant! Meurs! Meurs! Je vais pas tarder à lancer. Ah, ça y est, c'est parce que là il était complètement buggy, il avait pas trouvé son pathfinding, je pense, et du coup, normalement il devait changer de. What? Les chats qui ont complètement buggé. Allez, mais. Oh! Oh, le monstre il est tombé! Oh là là. Non, c'était ma chance! C'était ma chance de lui couper! Je suis déçu! Oh là, par contre, il a une sacrée touche, hein. Enfin, il a une sacrée. Il a de la gueule, le monstre. On va faire simple. Le monstre, il a de la gueule quand même. Le monstre est magnifique. Même comme ça, là, juste en mode normal. Moi, je respecte quand même le monstre. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas excessivement difficile, mais je pense que c'est pour pas que ça soit trop brutal au niveau du... Ah bah j'aurais peut-être pu utiliser ma... Ah bah je suis déçu, j'ai pas réussi à lui couper la queue. Il meurt trop vite. Je pense que c'est ça surtout qui lui manque au monstre. C'est plus de temps où il est vénère, et plus de dégâts et plus de vie. Parce que là pour l'instant il est trop simple. Alors je sais pas, ça se trouve c'est le monstre. C'est comme ce qu'il me disait, j'avais un ami, je fais oh putain la Cantor sur MHFU et tout ça, il était génial, il était ultra difficile, il t'enlevait 3 quarts de barre avec un ultra laser et tout ça. Il me fait mais non mais sur MHQ la Cantor j'ai déboîté. Par contre le katana il est merdique, ouais j'ai vu ça, il est pas ouf hein. Il est pas ouf. Ah c'est le plus gros que j'ai vu pour l'instant. J'ai pas beaucoup de choses là. C'est un peu dommage. Donc là on va le farmer. Et on va le farmer tout simplement parce que il faut monter level 40 par nos propres moyens. Alors est-ce qu'on peut le... Oui on peut le farmer quand même. On peut le farmer correctement. Voilà. On peut le farmer efficacement j'ai envie de dire. MH4U est trop facile comme jeu, les gens savent pas jouer. Ah, c'est sûr que quand on est de l'ancienne génération, n'est-ce pas? Je suis vieux. Quand on est de l'ancienne génération des MHFU et autres, c'était une autre paire de manches quand même. MHFU, c'était un sacré défi. Hein. Et c'est ça qui me manque peut-être un petit peu. Là, dans MHO, c'est ça qui me manque un petit peu. Mais après, tu peux te mettre de la difficulté toi-même, hein. Tu peux, par exemple, purement et simplement, t'envoyer sur un Kezu
avec une armure de sénateur shogun et te faire one shot par les bouboules. ça peut être un défi. Même si c'est simple à esquiver, hein. Dans la génération où on ne pouvait pas avoir 5 talents positifs, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'avait pas des armures aussi pétées. Mais là, ça fait que devenir de plus en plus pété au niveau des chasseurs. Mais c'est ça aussi qui est jouissif. C'est quand je regarde des matchs cross, avec le Bushido, ou quand t'as le timing, s'il faut juste avoir du skill pour esquiver tout, c'est infini. Le machin, c'est moi, ça va me faire économiser des potions, c'est ouf. Parce que c'est à bon entendeur, les frames pour enchaîner... pour esquiver, pardon, avec l'éveil et tout ça, voilà. C'est assez sale, je me rappelle plus c'est combien de frames, mais c'est violent. C'est violent, violent, violent. Alors attendez, je regarde, paf, 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 paf. Regarde quelque chose. Ah oui, puis j'ai un nouveau son de follow. Et je me suis trouvé un petit gif. Dites-moi-en des nouvelles. Sacrément bonne. Voilà. J'adore. J'adore ce truc. Avec le mec en armure de Rathalos qui est en train d'enchaîner les Jaggi. Jaggi. C'est génial, j'adore. Je suis fan de moi-même. C'est déjà pas mal. Eh ouais. Toi, j'ai tellement envie de t'ouvrir 8000 de pognon d'un coup. Pou, 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 pou. Alors, du coup, je pense pas qu'il soit sensible à la paralysie. Donc, on va prendre l'armure du Blanco doré. Juste 2 secondes, madame, s'il vous plaît. J'aimerais. Attends, juste 2 petits instants. Je voudrais m'équiper. Voilà. Hop. On y revient et on accepte. Voilà. Désolé de vous avoir fait attendre Gomenné, tout ça. Sacrément bonne. Et ce sacrément bonne, en fait, il vient de la pub de Irfan que tu as vu, tu as déjà croisé. Pristaline, donc je t'invite à aller regarder directement sur YouTube. C'est une pub qu'il a faite, une pub troll un peu. Et ce sacrément bonne m'a marqué. Alors attendez, parce que... Voilà. Ouh là là, je le sens mal. Ouh, tu le sens le lag. Tu le sens. Tu le sens mon gros lag, tu le sens. Pardon. Non, ça va encore. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Alors attendez, hop. Tac, tac, tac. Je regarde 2-3 petites choses. On enlève ça. Paf. Voilà. Maintenant, je pense qu'on peut y aller. La personne n'a pu bouger, j'ai pas vu. Un HR43, pardon. Donc, ça va être plutôt rapide, je pense. Là, on s'est pris en mode serious business. Hein. On a pris la grosse roue, là. C'est fini. Le monstre, on va te déboîter. J'arrive. Oui. Le gros plat. Ah, ça doit faire trop mal en vrai. Putain. Il a dû se défoncer le nez. Allez, c'est parti. On va regagner un petit peu notre stamina quand même. Badabadabada. Ah, ça a envie de dropper. Il est où le monstre? Il est où le monstre? Ah, ça y est, il commence déjà à exploser tout. Alors, est-ce que ça fait des dégâts? Qu'est-ce que ça fait? Ouah, non, mais il est en train de le défoncer, mais c'est un fusil à pompe qu'il a, le machin, c'est... Allez, on va essayer de couper la queue. Là, ça va être l'objectif. Je vais pas me concentrer sur les dégâts, il y a déjà notre ami HR43. Moi, je vais essayer de me démerder pour lui casser la queue. Ouais, là c'est là où ça sert à rien de le frapper. Là, je pense qu'on va juste subir en fait.
ma fougue, mon gars. Ah merde, je peux pas toucher. Alors sacrément bonne de quoi? Bonne question. Eh merde, j'ai loupé absolument. Non mais laisse-moi tranquille. Vous m'emmerdez. Bande d'insectes à la con. Aïe. Alors sacrément bonne, juste voilà, sacrément bonne. C'est juste à me faire rigoler. Bon, ça y est, tu passes en mode infini, tu déploies tes ailes. Allez. Alors du coup, est-ce que c'est un dragon ancien ou pas? Parce que je me pose vraiment la question. Calme-toi bien. Splat. Ah, parfait. Hein? Mais le... Mais le monstre juif. Oh là là, mais y en a qui font trop mal aussi. Par contre, je me demande combien... Sa fusée arbalète, c'est quoi? Je me demande qu'est-ce que c'est. Peut-être un monoblos. Je vois qu'il y a de la corne. Un diablos peut-être. Je sais pas trop c'est quoi, mais ça a l'air de faire mal. Hein. Oh là là, cette culotte bouffante. Cette culotte, madame, vous êtes trompée. Vous avez oublié un morceau de tissu sur vos fesses. Ça ne sert pas à ça, une... Mon Dieu. Très très classe, en tout cas. Avec le chat. Le chat qui a l'air plastique. Donc il est classé comme un, mais il voudrait le mettre en wyverne. Bah techniquement, ouais, ça, au niveau de ses vues, ses coups et tout ça, par rapport à ce que tu m'expliquais, la MH Logix, tout ça, ça serait un Tigrex. Ce serait une wyverne volante. Ah, un sang de dragon ancien. Parfait. Parfait, parfait. Je pense qu'il va m'en falloir masse. Oh, bah des... parfait, ça aussi. Magnifique. Superbe. Sublime. Génial. Je vais aller voir si je peux pas me crafter déjà un morceau d'armure. J'ai trop hâte. Normalement ça doit être bon. Non, elle a pas été clear. Ah merde, elle a pas été clear. Quoique. Je vais vérifier. Alors ça je comprends pas trop en fait au niveau des tableaux. Il y a... Non, par contre ça non. Ça je sais que ça, je veux pas. Là j'ai accepté, j'ai fait la quête, on l'a tué, mais j'ai pas la quête. Alors c'est peut-être faut casser quelque chose peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vite le forgeron, graffe-moi un truc stylé. J'en peux plus. Il y a une petite ruelle, là j'ai pas... Ah oui, si, là... Non, enfin, une petite ruelle, là. Tout est relatif. Elle est trop classe, sa forge. Toi, craft-moi des trucs. Oh, wait. Non. Non. Oui. Oui. Et non. Oh là là, là. Regardez-moi ce style. Cette classe. Cette swagance. Swag. On va déjà se crafter ça. Voilà, on a déjà perdu 3200 de pognon. Hop, on repère 3200. Alors du coup je passe à combien? Non, je suis toujours à 16 de défense, d'accord. C'est juste que c'est bien, d'accord. Très très bien. On va garder le set complet pour l'instant. On switchera quand on aura tous les morceaux. Alors par contre ça va être au niveau des ailes et des plaques un peu plus rares. La carapace peut-être. Et puis au niveau de ça aussi. Ça a commencé à manquer. Le prochain objectif, c'est les jambes. Oh là là, j'ai trop hâte. Ce costard qui pue la classe. Alors tu me disais, toi, Eliotosaur, que t'étais à 16 de défense par morceau de monstre. Enfin, par morceau d'armure, pardon. Mais en artilleur. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus la différence d'armure entre artilleur et entre Blade Master. C'est bizarre. C'est bizarre.
Il y a plus la différence ? Je me demandais ça. Il y a plus du tout de différence entre Blade Master et Artilleur au niveau des armures. Ou est-ce que ça change en fonction de... Je vais regarder ça après. Est-ce que ça s'adapte automatiquement ? T'as juste besoin de faire une seule armure, puis après ça se change, ou des choses comme ça. On va tester, pendant que je dois bien avoir un arc. Non, bah du coup il m'a demandé d'annuler la quête. Elle est pas de base ? D'accord. Allez, dépêchez-vous! J'ai envie d'enchaîner! Enchaînons! Vite! Il y a un mec qui est toujours en armure de base. L'armure classique. Avec un arc. Je pense que le mec il s'est même pas emmerdé. Il a dit: je garde toutes mes thunes. Même si je dois en chier, je me fais one shot. De toute façon, je suis à l'arc, je m'en fous. Allez, go, 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 go! En plus, on est trois là, le monstre, on va le torcher. Ça va être cool. Après on va passer en difficile, je voudrais juste finir la quête quoi. La quête avec l'XP, ça serait cool. Ça serait intéressant. Voilà. Tant que... Ah, en plus c'est bien parce que quand on fait du mentorat, on booste les dégâts des gens. Et ça c'est plutôt cool. On se booste même nos propres dégâts. Du coup, je suis passé à 140. Ah ouais, c'est pas négligeable du tout. Je suis passé de 103, je crois, quelque chose comme ça. Une arme qui a 105 plus 5, donc 110 à 140. Et en mode infini. S'il vous plaît, le monstre va se faire déboîter. Hop. La petite roulade pour cancel l'animation. Bon là, il n'y a pas vraiment besoin puisque on switch. Oh là là, c'est en armure de Rathalos. Ah, ça le... Je vais le faire à chaque fois parce que ça me fait mourir de rire. Oh mon dieu. Je m'attendais pas à ce qu'il soit tout de suite là. Je me suis dit, je vais manger juste après. Merde. Casser la tête, casser quelque chose comme ça. Non ! Allez, en tout cas, il a le bandeau. Il est en mode push it with limit. Je fais très très bien. On va juste ouiller le monstre. Le plus salement possible. Oh là là, ça a pris une blessure. Oh là 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 là, oh là 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 là. Alors on peut toujours le frapper en fait quand il est dans cette phase là, mais il faut le frapper pas là où il y a les phases de... Voilà, c'est sur la patte arrière et tout. Ah ça y est, il vient de passer en phase 3. Sacrément bon. Ah, Tom Hunter, bienvenue à toi. Merci de ton follow. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand même. Je suis pas encore habitué hein. Oh là oh là oh là oh là oh là. C'est vrai. Oh là, les monstres on le respecte pas. Oh, il m'a pas respecté non plus, il m'a dit blin. Allez toi tu dégages. T'es le maillon faible, au revoir. Aïe. Ouf. Ouf, ça a fait mal ça. Par contre là quand il est comme ça, le monstre il est intéressant parce qu'il est ultra rapide et tout, ça me fait penser un peu au Rajang. Et du coup c'est vraiment cool quoi. Là par contre, là le monstre il est intéressant. Bonjour, tu étais sur le live de Dash Train de... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Désolé. J'ai pas pris de potion. Ah oui, j'ai pas pris de potion.
Ce n'était pas moi, malheureusement. Et je vais me faire unfollow juste pour ça. Ah! Je me fais bourrer. Vite, potion. D'accord. Il a bugué à l'infini. Vite, tiens. Je vais détruire ton existence, comme ça au moins. Ah bah moi je le trouve plus fort en P2. Que la P3 par exemple. Non, moi j'aime bien en P3. En P2, c'est pas grand chose. En fait, disons que il est vraiment lent de base. Et de lui mettre un petit peu de niveau des dégâts. Là par exemple, je viens de prendre un coup qui fait. Ok, il vient de se faire stun à moitié. Ok, là il y a la queue qui est en free kill. Bon, j'ai pas réussi à passer une seule fois en rouge sur ce monstre. Je suis en blanc, c'est ridicule. Ridicule. Le no skill le plus absolu. La musique du monstre est sympa. Ouais, j'avoue qu'elle est cool. Bah, c'est Monster Hunter, hein, c'est le thème classique de Monster Hunter. On lui fait trop de dégâts, la P2 le rend plus résistant, donc c'est chiant l'arc. Oui, c'est sûr. Mais en fait, la P2, tu vises la patte arrière, mon gars, et ça y est. Hein. T'évites de viser la tête, t'évites de viser les là où tout c'est, il est un peu plus sombre, et c'est bon, quoi. Merci. Voilà, ça va, je me fais un peu PL par les gens. Tiens. T'as bien travaillé. Tiens. bien joué. Ah, la brochette de Hunter, quoi. Tiens. Je te jette du sable. Ouais, c'est vrai que... Oh, d'accord. Grosse image de fin. Ah bah c'est le plus gros que j'ai eu. Ah non, d'accord, l'autre c'était le plus petit que j'avais eu. Je me dis bien... Oh, j'ai ma troisième plaque. Oh, et puis j'ai un morceau d'aile. Oh non, mais oui, trop bien. Tiens. Oui, j'ai ma troisième plaque. Oh là là, le monstre il va se farmer en 2-2. Oh bah je vais aller crafter ça immédiatement, de ce pas. Wait. Ah, je vais aller crafter ça, vite. Ah, je suis trop content là. J'ai eu l'item rare direct. Je sais pas c'est qui disait... passer 50-60 heures sur un même monstre et ne pas pouvoir avoir l'item rare du monstre. C'est juste que vous êtes mauvais. Non, je déconne. Allez, vite, toi. Tac, tac. Oh, je peux la crafter, c'est trop bien. Voilà, et là, je peux crafter. Il manque une corde. Ah, je suis dégoûté, il manque une corde. Alors ça, par contre, ça va être compliqué à farmer, parce que là, j'en ai pas vraiment eu. Donc j'ai ça. Il manque les bottes, mais il manque juste une corne, mais ça, c'est simple à choper. Et regarde, non mais, je vais faire une réflexion à chaque fois, mais ce costard, c'est trop classe. Il est trop classe, ce set. Alors oui, attendez, parce que du coup, je vais regarder quelque chose. Si je passe en arc... Par exemple, hein. Oui, je passe en arc des habits. Est-ce que je peux mettre les armures? Non, je peux pas mettre les armures, donc c'est bien Blade Master. Oh là là, ce début de... Oh là là. J'ai envie d'y aller juste comme ça. Je suis un papillon. Donc non, on peut pas mettre, hein. C'est confirmé. Alors on va prendre la grosse roue. Ah, j'ai envie d'y aller comme ça. J'ai envie d'y aller comme ça en mode... en mode no care. Mais non. On a notre talent avec...
avec notre armure de base. On reste en Mad Max, en blanc gonga doré. Ça, c'était pas moi. Comment ça? J'ai pas compris. Oui, oui, pour une armure, c'est Monster Hunter. Alors, je sais pas si tu es un... Tom Hunter. Je sais... Oui, normalement, tu dois être... Hunter, peut-être. Alors, pour les 50 heures, c'était pour juste un morceau de monstre. On m'avait dit ça sur le chat. C'était Docteur Glou, je crois. Quelque chose comme ça. Qui était assez chaud sur le monstre. Il était level max, tout ça. Enfin, sur Monster Hunter. Allez, est-ce que... Alors du coup, je vais regarder un petit peu la quête. On va passer en difficile, on va passer en hard. Donc le monstre, merde. Non, je vais pas faire du mentoring. Mentora, plutôt. Et on va passer en grosse grosse paye. Paf. On va passer en hard. En multi. On va attendre que ça proc. Oh là 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 là. Le monstre est intéressant au final, je pense qu'il pourrait être très très intéressant si bah si il était plus résistant. Et c'est, je pense que c'est vraiment 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 ça qui lui manque au monstre. Je sais pas si Eliotosaur, toi tu t'es fait le Doom Estrelian, parce qu'à mon avis le Doom Estrelian doit piquer sa mère, excusez-moi de mon langage chartier, n'est-ce pas? Mais le Doom Estrelian, à chaque fois que j'ai rencontré une subspecie, ça faisait beaucoup plus mal, elle était beaucoup plus active, elle était, entre guillemets, mieux codée. Alors ça se trouve, le Doom Estrelian a toutes les valeurs de l'Estrelian qu'on espérait, mais du coup, faut attendre la subspecie, quoi. Je l'ai bien défoncé sans potion, avec un katana pour la première fois, avec seulement 3 morceaux d'armure, donc voilà. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que le monstre, il est pas fou, quoi. Il a, en fait, il est beau. Il est très très beau. Il a du potentiel, mais le machin, il est en verre. C'est, tu souffles dessus, il est en sucre, le monstre. Vraiment, mais genre, vraiment, il est en sucre. Tu te rends même pas compte de la vie du monstre tellement tu le déboîtes. Donc c'est assez choquant, en fait. Tu te dis, ouais, un monstre comme ça, il va avoir une masse de vie, il va me faire pas mal de dégâts, ça va être un truc de longue haleine, sa P3 va être assez longue, il va être assez nerveux et tout ça, ça va être un combat assez épique. Mais au final, bah, tes espérances ne sont pas vraiment fondées, mais je pense que là, je mise gros sur le Doom Estrelian, qui est la sous-spécie. Oh, il est magnifique, magnifique Cupidon, on peut profiter de son set, voilà. Le set du Cupidon. Ah, ça a les vrais strats. C'est HR25. Ça va, je tombe avec du bon gros HR là ce soir, donc c'est plutôt sympa. On va aller le marquer quand même. Oh, je sais pas si on va le marquer le monstre. Il bouge pas énormément et puis il est pas du genre à s'envoler. Merde, j'ai pas fait mon saut. Je suis désolé mon gars, je peux pas vraiment te parler parce que bah. Je ne suis pas chinois. Je ne parle pas chinois, désolé. Ah, j'espère que la musique va pas bugger parce qu'elle est vraiment trop cool la musique. Il est où le monstre? Il est pas là? Ah si, il est là. Il m'a fait peur. Agro gros méchant! Oh, blâme dans la tête direct. Allez, esquivez. Aussi faire des quêtes en multi, c'est un peu facile. Mais même, je l'ai fait en solo avant que tu arrives, mon ami. Attends, il dort? Il l'a fait dormir! Oh mais le monstre! Il le respecte pas, il lui tape au corps à corps! Oh je suis désolé mon gars! Oh je suis désolé hein! Oh je suis désolé pour le monstre là, mais il est en train de se faire déboîter! Oh il est en train de l'arroser! Il est en train...
train de me déboîter. Oh là là, quand il déploie tout là, c'est tellement classe. Oh, je vais couper la queue. Yes. Ah, je suis bien content. Ah bah du coup le monstre il va être simple. Oh là 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 là. Oh là là, le monstre il le respecte pas. C'est pas là, c'est pas là. Aïe, bah là c'est moi qui ai pas respecté le monstre. Oh la vache. Je suis impressionné par la puissance du mec. Ah, j'ai loupé. Je suis déçu. Déçu de moi-même là. Meurs. Après, tu me dis le multi. Oh, mais j'ai pris cher. Qu'est-ce qui s'est passé? On va rester en adrénaline. On va jouer un petit peu avec le feu. Oh, oh mon dieu. Bon, attendez, je vais aller me servir au niveau du steak là. Oh, le steak. Un petit steak d'Estrelian. Ah, ça mérite un screenshot, tiens. Oula, mon verre qui a failli se casser la gueule. Attendez. On va prendre ça avec un angle avantageux. Voilà. Un petit screenshot. Ça fait plaisir. Ah, peut-être que je vais avoir plus facilement... Ok, bisous Eldotosaur. Bon courage à toi. On va aiguiser quand même. Oh là. Ah, je crois que le monsieur est en train de bugger, donc du coup il va mourir. Ah, désolé à toi monsieur. T'as tellement touillé le monstre, c'est dommage que tu meurs. Oh là là, oh là, ça se trouve c'est les serveurs. Oh là là, c'est les serveurs là. Ah non, j'ai presque... J'ai coupé la queue de mon Estrelian. Laissez-le moi, tranquille. Ah. On va en profiter. Laissez-le moi. Laissez-moi le tuer. Blablabla, je touille le monstre comme si ma vie en dépendait. Bla dans la tête. Et après on va switch parce que je pense que ça a bugué. Ah, je suis tellement déçu. Ah, la synchronisation c'est pas faite. Il est inspiré de quel monstre, l'Estrelian du Théostrave un petit peu? Bah je pense que c'est un monstre original hein, simplement, mais... Peut-être, ouais. Non, pas forcément. C'est pas vraiment... C'est un nouveau squelette. C'est un nouveau squelette. Ils ont taffé exprès. Et voilà, du coup, le... Forcément, l'écran noir. L'écran fatal. Alors, attendez. Je vais Alt-F4T. Là, ça sert à rien. Ça a complètement bugué. Donc là, c'est... Faut en finir avec le jeu, faut le fermer et revenir. Bah, normalement la quête devrait être validée quand même. Parce que c'est une déconnexion qui est pas censée être faite. Hop, je relance le jeu. Je me dépêche. Ah bon sang, les Strelgan. Ah mais en tout cas je suis content parce que c'est la première queue que je coupe là sur le jeu. Je m'y suis jamais vraiment full focus ou quoi que ce soit. A chaque fois j'étais en train de touiller le monstre parce que je voulais le tuer et avancer. Le coup de queue où il regarde derrière, il fait penser au Théostra, c'est vrai. C'est vrai que... Attendez, me dites pas qu'il y a une mise à jour. Mais j'ai checké s'il y avait une mise à jour. Ah, il y a une mise à jour, les serveurs sont down. Ah, mon dieu, non. Ah, je suis dégoûté.
Je suis dégoûté, bon sang, bonsoir. Les serveurs sont down. Oh là 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 là, les serveurs sont down. Ah, je suis un peu salé là. J'avoue que je suis complètement salé. Je me demandais pourquoi ça. Alors, je vais t'envoyer le tuto. Il y en a qui ont quelques petits soucis. C'est assez chiant quand même, mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Attendez, attendez. Hop, je vais envoyer. Alors, professeur Féline. Il va falloir. Je t'envoie ça, je t'envoie le lien. T'as un tuto qui est bien expliqué. Si tu fais toutes les parties du tuto, tu les suis exactement. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Oh la vache, le sel qui est en moi. Ah, je suis couvert du sel de Guérande. Surtout qu'en plus, techniquement, là, je devais passer level 40. C'était la soirée spéciale. Je me suis dit, lundi, mon biscuit, tu vas streamer pendant 5 heures, tu vas farmer les monstres, tu vas farmer les Strelian, tu vas faire le début du HR et tout ça, j'étais complètement saucé moi, j'étais saucé pour ce soir. Ah, je suis tellement mad. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? On passe sur un autre jeu? Bah ouais, on va passer sur un autre jeu. Hein. On se ferait bien un petit Risk of Rain. Ah mon dieu, je suis dégoûté. Ah, la mise à jour de ce soir, quoi. Attendez, je vais regarder sur le site anglais. Alors, pour un peu toutes les informations, si tu veux, je t'envoie un petit peu tous les liens. Je t'envoie un peu tous les liens. Il est là. Attendez, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Welcome to... Voilà, c'est celui-là. C'est une communauté anglaise du coup qui est chaude sur le jeu et qui a la frame au niveau des mises à jour et tout ça, donc c'est très très important. Bon, c'est tout en anglais, mais ça reste intéressant. Bon, on va regarder un petit peu les jeux qu'on a. Ou partir sur du Damned. On va se faire bien flipper. Non, j'ai peut-être envie de me faire une petite, un petit coup de Risk of Rain, vu que j'ai débloqué tous les personnages, ça pourrait être intéressant. Ah, bon sang, bonsoir. La mise à jour de l'infini. Bon, faut que je change mon titre Twitch. Alors... Bon sang, surtout que, en fait, je suis un peu dégoûté parce que du coup, j'ai coupé la queue, donc j'aurai pas la récompense de la quête, de base, parce qu'en plus le monstre est quasiment mort. Donc, bon sang de bonsoir. Bon, on va changer de jeu. On va faire du Risk of Rain. Alors, j'explique un petit peu l'intérêt de Risk of Rain, enfin, de ce jeu, pardon. Pas l'intérêt, mais purement et simplement le jeu en lui-même. La mécanique principale de ce jeu, c'est... Vous avez une barre, en fonction du temps. En fonction du temps, la difficulté va faire que s'accroître. La difficulté va faire que s'accroître, donc on a des items. Donc vous voyez, on a plein d'items. Des items qui vont correspondre, par exemple, si je prends là, quand vous tuez des ennemis ou vous les touchez, vous avez des petits morceaux de viande qui vont vous régénérer, des choses comme ça. Vous avez par exemple les... Ça, c'est un barbelé, c'est une zone autour de vous qui va faire des dommages. Donc c'est rigolo. Le petit piggy qui va faire en sorte qu'on ait plein de sous-sous. Avec des codes couleurs pour la rareté et entre guillemets la puissance. Donc blanc commun, vert c'est peu commun. Après ça commence à devenir du orange, c'est du rare, et ça c'est du légendaire, c'est des items de boss qu'on ne peut avoir que sur les boss.
Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on se ferait comme... Le chef ! J'ai jamais joué avec Andy. Ah oui, c'est vrai, on avait fait une partie en difficile. On va se faire une petite partie tranquille, je pense. Spite, Enemy Explode Death. Je suis pas fan. On va se mettre en glasses. Donc 500% de dommages en plus. Mais vous avez 10% de votre vie. On va se mettre en glasses et on va se prendre qui ? Est-ce qu'on se... On va se mettre Enigma aussi. Un jeu totalement random. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié de local. Je pensais qu'il y était, de base. Capture de jeu, Risk of Rain. Excusez-moi. Merci de me l'avoir signalé. Paf. Hop, je place. Allez, centre-le. Voilà, merci. Je le descends pour éviter qu'il passe devant le Twitter. Ok. Je laisse en fond la mise à jour de Monster Hunter. Et on part sur... Ah, c'est vrai que les musiques de ce jeu sont divines. Hop, me voilà. Donc on voit là, donc on a plusieurs personnages. Donc on a le commando, l'enforcer, le bandit, Huntress, Andy, l'ingénieur, le mineur, le sniper, Hagrid, mercenaries, loader et chef. Donc en gros, le commando, c'est le personnage le plus basique. Je l'expliquerai en fonction de ce que je choisis, parce que sinon on va pas s'en sortir, et je me ferai bien un peu... Peut-être, voyons voir. No manual given for Andy model, ok. Y a pas de quoi que ce soit. Apply force to all combatants. D'accord, 180%. Drone, fire drone. Healing yourself. Gain drones by killing enemies. Ça a l'air rigolo. On va jouer ça. Wouah! On met des grosses patates. En tout cas, on met des grosses patates. Alors, un personnage de corps à corps sur le mode. D'accord, ça fonctionne comme ça. Alors, je découvre un petit peu en même temps que vous les mécaniques. Un personnage de corps à corps sur ça, je suis pas bien. Je suis pas bien. Alors, attendez, je vois plus mon chat. Mon chat a freeze. Alors, tu as raté le deuxième lien, je te renvoie. Donc, le deuxième lien, c'est tout ce qui concerne Monster Hunter. Monster Hunter Online, mais c'est en full anglais. Voilà, one shot. Et bleu. Ah ouais, ça va être... je sais pas si ça va être sympa. D'accord, le petit drone qui part, qui revient et qui me heal. Ça fait rien d'autre. Pas prendre de risque. Ouais d'accord, ça fait juste des dommages. Il est pas fou. Parce que même si il a 500% de dommages, là... je sens mal. Je sais pas pourquoi, là c'est un peu... Ouf. Ah, ce coup de marteau. Ça veut rien dire. Tellement lent. Je sens que ça va très très mal se passer. Alors eux, faut que je les one-shot à grands coups de... Blam ! Patate ! Non, j'ai pas pris d'épisode sur le DS. Ah mais ça fait tout devant moi ? Non, attendez. Oui, si, ça fait devant moi. Ah, là, charger le fil générateur qui est sympa comme tout. Alors, je sais pas combien on peut avoir un maximum de drones. Je vais essayer d'en stacker un peu à l'infini. Ça sera un petit peu mon arme d'autodéfense. C'est pas écrit, on va essayer d'en avoir un maximum. Attendez. Boum! Vous voyez qu'on prend vite très très cher. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vie, on a vraiment vraiment pas de vie, on a que le... Voilà, on les bourre.
Le level up qui fait plaisir, un peu plus de vie, un peu plus de dégâts. Ce jeu est goldé. Il n'est pas extrêmement connu. Il y a un mode multi qui est cassé casse-couille, si je peux me permettre de parler crûment. Hold the box. D'accord. Bim bim. Donc là on est en very easy, donc là ça va. Donc là le but c'est d'aller trouver un téléporteur pour aller à la prochaine zone. Cette zone qui va nous y avoir d'autres ennemis, des ennemis plus difficiles, des choses comme ça. Bim. Oh j'adore ce coup. J'adore ce coup, il est génial. Et du coup en fait on va avoir une grosse vague d'ennemis. Oh ça fait mal. Ça fait mal. Oh, je suis à 46 sur 50, sérieusement. J'ai bien aimé. Oui. Allez, un monstre en plus. Voilà, hop. Allez, donne-moi tes sous-sous. Les sous-sous dans la popoche. Ah, parfait. Les ennemis qui dropent plus de... Il y a mon petit drone, il se balade. Alors ça c'est bien parce que du coup, les petits ennemis comme ça, on en tue un, techniquement on perd pas de drone vu qu'on en tue un, donc on récupère un drone parce que quand on tue un ennemi, on chope... Ah bah ça va être bien, mais ça se trouve je vais me builder... Bam, grosse patate. Bim. Comment ça s'appelle, corps à corps avec les... Le barbelé. Ouais. Mais on peut faire des choses absolument insane sur ce jeu, donc pour moi c'est un peu à comparer à The Binding of Isaac. Dans un peu un autre style, mais c'est un roguelike. Donc il est vraiment très très cool. Faut que j'en stocke un maximum parce que dès que je vais trouver le téléporteur, il va y avoir un boss à tuer et j'aimerais bien un peu le one shot, pas prendre trop de risques. Je comprends pas bien c'est quoi le a plus great force to all combatants for... D'accord. On voit pas vraiment. Vraiment ce que ça fait. Paf. Oui, la régène, parfait. Ah, un petit small enigma pour le plaisir. J'étais plutôt chanceux là. Ça, ça a l'air d'être infini. Ça a l'air... Bah, encore du barbelé. En fait, là, plus on augmente, il y a 10% de dégâts en plus. 10% de chance en plus, et en plus, là... Ah bah, il était là. Bim. Salut, encore une mèche sur les machos. Ouais, je pense que ça... Et j'espère... J'espère que c'est la mage pour la lance. Ça serait cool. Voilà, donc stay alive. Bim! Meurs dans ta chiasse! Cool, j'ai failli mourir. Zbla! Donc on était level 40, on allait sur notre level 40 entre guillemets et on s'est fait couper l'herbe sur le pied, on a commencé à farmer les Strelianes. Bordel. Vous voyez que cette arme elle est... Là je commence à devenir un petit peu craqué, donc c'est bien. En fait il est rigolo à jouer. Je pensais qu'il allait être chiant, mais il est rigolo parce que avec l'espèce de petit drone et tout ça, c'est un peu auto-guidé. Donc c'est assez rigolo.
Ah mince, on a perdu notre malheur. On met des grosses patates. Malheur. Il est génial ce coup de marteau. Alors pourquoi je balance tout là? Parce que ça sert à rien d'en garder. Je pense pas qu'on les garde au fur et à mesure. Ah peut-être. Peut-être que si. Meurs. Ah, ils vont tous revenir. Bim bim bim. C'est tellement pratique ça. Vous imaginez pas à quel point les tirs guidés à l'infini sur le jeu. C'est bien parce que du coup ça vous permet en fait de pas trop vous déplacer, pas perdre de temps surtout. C'est surtout ça. Pas perdre de temps pour parce que plus le temps augmente, je le rappelle, et plus ça devient difficile. Là on est déjà en easy. Ouais, on a fait un bon score, on a fait un bon score. On n'est pas trop mal, on a 3 small enigmas, on a 3 barbelés. Ce qui fait qu'en fait on a pas mal de dégâts au corps à corps, passif, entre guillemets. Alors direct 1. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'on a ça, on a un boost des dégâts. Oh, mais j'avais oublié. D'ailleurs. Ce petit piou-piou. Alors ça, par contre, ça faut retenez-le. Ça, c'est un drone qui lance des missiles et c'est complètement fumé. Alors, je vais essayer de farmer un petit peu, là, pour la voir. Je vais rester dans le coin parce que sinon je vais l'oublier, je le sens. Patate, voilà. Andy, hein, très très bonne surprise au final au niveau du personnage. Je pensais que ce serait juste un soutien, mais il a l'air d'être plutôt cool. Bien. C'est génial. Ah, time to freeze. Et voilà, là ça a commencé à partir en couille, on a le petit robot qui envoie des missiles. Déjà qu'on a nos propres missiles téléguidés avec les petits drones et tout, mais alors là ça va être... On se sent invulnérable. Bim bim. C'est bon, j'ai reçu MHX, mais je pourrais y jouer que à partir de mercredi car c'est mon cadeau d'Aniv. Oh. Alors, dans le milieu, on a une phrase avec mes amis, tout ça. T'es deg. Ceux qui comprendront leur référence, je leur fais des gros bisous. Alors ça, ça a une chance de double damage, ça c'est goldé et archi goldé. Je vais prendre le piggy parce que ça fait des sous toutes les 3 secondes. C'est très très intéressant. Et on va partir directement... Allez, meurs. J'ai one-shot le boss. J'ai one-shot, ça veut rien dire. Ce perso est craqué. J'ai one-shot le boss, c'est infini. Hammer. Voilà, en plus, plus ma zone grandit, plus je fais de dégâts. Ah non, mais je suis invulnérable au corps à corps. Dans le milieu. Non, mais c'est surtout en fait par rapport à une vidéo. J'ai même plus besoin de viser. Le spamage des petits drones. Oh là là, c'est infini. Mais, non, mais j'ai juste à rester là. Oh, j'ai mon double maléfique qui me suit. Du coup, faut spammer. Que ça envoie aussi un drone en même temps que moi, ça fait exactement les mêmes actions, donc ça double vos dommages littéralement. Tiens, double patate. Boum. Je suis infini. Ça y est, je suis déjà craqué. À 12 minutes de jeu, je suis craqué, c'est génial. Hop. On va quand même aller faire un petit peu le tour. Ah, ça c'est bien aussi. Ah, un petit ukulélé. Bien évidemment, le ukulélé, ça vous permet de électriser vos adversaires. C'est la base. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon petit boost de vitesse. Faut
fois que j'oublie de le spammer. Petit boost de vitesse et de dégâts. Très très important. Ah, est-ce que ça fonctionne sur mes drones? Peut-être. Oh mon dieu, ça serait bien. Ah, mon sprite a bugué, je suis tout rouge. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vite! Vite, biscuit, vite! Mais y'a rien? Y'a rien à acheter ou quoi? Oh là là, le level de l'ennui. Le plus absolu. Mais y'a rien à acheter. Mais... Oh bah je suis déçu. Bon bah ça me fera de l'XP, écoutez. Paf, level up. Ah, c'est bon. J'ai un gros cul, hein, donc je suis limite un tank. Oui. 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 C'est bon, biscuit. Ouais, vas-y. Allez, meurs. Wouah ! Coup critique à 2100. Ah, ça y est, je suis passé en hard. Ça y est, ça va commencer à devenir n'importe quoi, ce jeu. Là, c'est plus les petits lémuriens level 1 qu'on trouve. Voilà, c'est des ennemis chiants qui nous balancent, bien évidemment, des roquettes. Ça va, là je les dépop bien. Ah bah là on a trouvé tout de suite. Bah, je pense qu'on va tout de suite l'activer. On va pas perdre de temps. Ah oui, comme ça, c'est comme ça le jeu. Tu me permets des choses complètement folles et sales. Très bien, non mais oui, non. Ah, ça c'est un petit bot. Un petit bot mitraillette. Je crois que c'est le MK2. Je suis pas sûr. Oh, le Limpo Overlord. Ah! Elle est trop cool cette musique. Meurs! 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 Mourez! Mourez dans d'atroces souffrances! Voilà, hop. On envoie la sauce. Bim! Bim! Oh là là, ces petits drones font tellement le café en vrai. Mais c'est craqué! Mais c'est craqué! Bim 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 bim! Par contre, faut bien se rendre compte que techniquement là, si je reste dans une espèce de mâchoire de ces monstres marrons là, je me fais one shot. il faut le garder en tête. Peut-être pas one shot, mais en tout cas je prends extrêmement cher. Je pense que je prends un bon 3/4 de ma vie. Bim! Je vous écrase! J'écrase les insectes. Oh là là là. Alors attention, la roulette russe. Enfin, la roulette russe, la roulette tout court. Oh merde! Merde, il y avait un truc trop bien en premier! Ah, je suis dégoûté! Il y avait le. En fait, il y avait l'item qui fait que quand vous avez. Vous avez tué un ennemi, il y a son âme, vous gardez son âme et vous la laissez sur place. Ce qui fait que elle fait des dégâts pour vous. Et ouais, et ça c'est trop fumé. C'est l'un des items je pense les plus puissants. Ah bah merde. J'étais concentré, c'était pas que j'arrêtais de parler ou que j'ai bugué ou quoi que ce soit. C'est que j'étais concentré à essayer de choper un item intéressant. Ah, les coffres étaient là, les petits coquinous. Ok, ça c'est sympa. Ça, quand je prends trop de dommages, j'explose et je fais des dommages aux ennemis. Donc c'est très très intéressant. Ah, la surchauffe quoi. La surcharge, que du bonheur. Ah, il y a un coffre à 247 là. On est très très bien. Très 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 bien. Je pensais pas être aussi bien avec ce premier run. Non mais oui! Non mais je dis oui! Alors là, on a le behemoth
c'est aussi un des items qui est très puissant. Bah, de toute façon, quasiment tous les items qui sont entourés de orange sont intéressants, sont craqués. Sauf le coffre que j'ai eu en premier, c'est, je pense, le moins intéressant de tous les items orange. Hop, hop. Ah, je viens de passer une nouvelle. Alors, ceux qui sont attentifs au niveau. Ah, elle est tellement classe cette musique. Cette OST. Ceux qui sont attentifs, on entend un espèce de son de cloche quand je passe un nouveau level. Donc là, je suis en very hard. Donc, je suis level 4 sur. Sur combien déjà? Je sais plus. Je sais plus trop. Allez, go. De toute façon, on n'a rien à foutre ici. Parti. Non ! Non ! J'ai utilisé mon item et ça m'a fait pop un coffre ! Ah ! Je suis dégoûté. Je suis deg. Ah, je suis slow. Ok. Il est déjà là? Sérieusement? On va aller faire le tour. On va se déplacer, ça sert à rien. De rester. Oh oui, non mais oui, mais vas-y, gaffe-moi. Gaffe-moi le jeu. Oh là là là. Oui! Je dis oui! Gaffe-moi plus! Merde! Oh oui! Oh oui, ça aussi, c'est bien ça. Je suis complètement fumé. C'est quoi cette run? Cette run elle est complètement craquée. Meurs. Par le marteau du destin. Ça se trouve j'ai mieux le dire. Non mais arrêtez, s'il vous plaît, ça commence à devenir gênant. Il me donne un autre behemoth. J'en peux plus. Je suis complètement craqué, c'est tout. Ah merde. Non, c'est bon. Alors est-ce que je vais pouvoir sauter le petit pont là? Ouais, peut-être. Je suis très très nul à ça. Je sais pas pourquoi, je mongolise. D'accord. Bah, tu sers à rien. Allez, on va sauter. Ah, mon dieu. Mon dieu. Oui, go. C'est parti. Ouais, c'est bon. C'est bon, biscuit, ouais. Yes. Ah, le boxing glove pour un personnage qui est au corps à corps et qui met des patates. C'est génial. Non! J'ai eu un peu peur. Je l'avoue. Oh merde! Ça va me saouler le dernier saut. Ça paraît pas, hein, mais c'est dur. Il se déplace vraiment pas rapidement, ce personnage. Du coup. C'est bon. Allez, je stresse. C'est bon. Oh là là, quel gros sac! Il a un énorme cul. T'as l'impression d'avoir un 38 tonnes, 38 milliards de tonnes à peu près. Hop. Oui, ça va, ça va. Allez, on va enchaîner. Ah, c'était l'item qui justement garde les âmes de mes ennemis pour en faire mes alliés contre mes ennemis. Allez, avance! Surchauffe, Martine! Surchauffe! Je vais l'appeler Martine. Je sais pas pourquoi. Alors, je regarde un petit peu au niveau du DLL si il se passe des choses, si ça bouge. Toujours rien. Je vais relancer. Hop! Voilà! Non.
calme-toi. Il n'y a encore personne. Oh, je suis mort! Je suis mort. Oh non! Oh non, mais je suis mort parce que... Oh non, mais sérieusement, je suis dégoûté. Il y a le missile qui est arrivé de l'élite et il m'a défoncé. Il m'a enlevé. C'est vrai que j'oubliais que là, c'était one shot. J'avais oublié que c'était one shot. Oh là 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 là. Je suis déçu. On va peut-être changer de jeu. On va essayer de voir. On va se lancer sur un autre jeu. J'avais bien envie. Et si on se finissait Overlord 2? Ouais, on va se faire ça. On va se finir Overlord 2. Voilà. Je lance. Attendez. Voilà. Un jeu qu'il est bien à finir. Je tweet, je change mon jeu. Voilà, donc on va partir sur Overlord 2. Donc j'explique, Overlord, c'est un jeu d'aventure où on incarne le mal et on a une bande de larbins. Une bande de larbins à notre service. Alors je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à Overlord. Au niveau des options audio. Voilà, on se met quand même un petit peu de musique. Faut pas abuser non plus. Donc on peut jouer à la manette. Et on va continuer notre aventure. Donc on en était où? On en était où? Je vais avoir un brèche. Ah, c'est vrai, on avait commencé à faire du stuff. De Juno. Tiens. Toujours maltraiter son bouffon. Pour fortifier sa grande armée. Ah oui, c'est vrai. Pour son propre usage, il a le pouvoir d'exploser. On avait quand même une... Ah oui, on avait pris elle comme maîtresse. On lui avait fait grandement plaisir et ça s'est retrouvé dans la chambre. Calme-toi, biscornu.
Donc, on en était où? On en était où de notre empire maléfique? Entrée dans la cité impériale, contrôle de la ville de Claire Éternelle. D'accord, infiltrer vous dans la planquée. Une chaise à porteur, d'accord. Ah, on était quasiment à la fin. Alors, je vais d'abord faire un tour. Attention aux femmes de l'Empire, Seigneur. Elles sont spécialisées dans le... Voilà, on va partir sur la mission principale plutôt. Alors, on avait les rouges, on avait les bruns, on avait les verts, il manque les bleus. Les bleus qui sont un peu les mages. Ouais, y a pas de larbins? Ah, si, ils sont là. Oh, leur. Attendez, je me remets un peu les contrôles. Alors, on va se prendre 10 rouges, 5 verts, et le reste en bas. Voilà. Donc on a notre petite armée qu'on peut contrôler. Là, je la contrôle avec le cycle. Oui. Attaquez ça, meurs. Et on était parti détruire cette foutue tourelle. Cette foutue tourelle avec les espèces de sentinelles. Voilà. Bonne chose de faite. Donc nos larbins se... Oh merde. What? Allez, go. Ah oui, il faut que je prenne possession d'un corps de larbin. Allez, go. Oh, un rouge. Je vais rentrer en tout. Ah, les rouges sont tellement stylés. Allez, mon crew. Mais on garde quand même le pouvoir de contrôler nos larbins. Faut pas abuser non plus. Arrêtez! Laissez-nous tranquille! On est que des larbins? Des gentils petits larbins? Je reconnais cet endroit. Il appartient au sénateur Tristus. Ouais. Sa femme l'a accusé de coucher avec moi. N'importe quoi. Je lui ai seulement suggéré que ce serait possible s'il m'offrait une douzaine de nouveaux esclaves avec des colliers incrustés de rubis. C'est tout. Et maintenant, je vous présente notre nouvelle recrue. Ça s'appelle un gargantuesque, dérivé de nos nouvelles expériences. Je veux parler de notre programme de développement 100% naturel. 100% naturel, hein. C'est une vraie brute. Pas du tout comme vous autres. Ah, on est déguisé, c'est parti. Je me sens tout petit tout d'un coup. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a à la classe? Ah, des gardes impériaux. Venez par ici. Voyons comment des mauviettes comme vous se mesurent à un gargantuesque. Donc vous l'avez compris, il y a une espèce de porte. Il a vraiment la tête dure. Je crois qu'il pourrait défoncer n'importe quoi. On va défoncer cette porte avec l'aide de notre ami. Défoncer la porte par cette bête, maître. Ouais. En position. Ah, est-ce qu'il va me viser moi ou est-ce qu'il va viser mes potes? Non, restez là. Allez, courez. Apparemment, il va falloir que nous travaillions sa vision. Mais ne doutez pas un instant. Ah merde, il y en a un qui est mort. De la guerre moderne. Nous sommes de garde aux portes de la cité maintenant. Ne traînons pas. Alors on va avoir cette tour à détruire. Je pense. Est-ce qu'il va falloir la détruire ou pas?
Ouais, je pense qu'il va falloir la détruire, mais il va falloir surtout que on fasse attention à ce gros. Il y a personne qui bronche. On a détruit, on a tué quelqu'un, mais pff, sans battre les steaks. Alors le but de nos larbins quand même, hein, c'est, je vais l'expliquer rapidement, c'est qu'ils se s'équipent de tout et de n'importe quoi. Il suffit juste de détruire un maximum d'objets, ils peuvent s'équiper un peu de comment ça s'appelle, d'un morceau de bois, une tête de singe, qu'est-ce que j'en sais, vraiment de tout. Et du coup on a des stuff, des fois c'est assez rigolo. Hop, la prochaine, la suivante. Les gros dégueulasses. Oh, il y en a un qui dégueule. Bon appétit, bien sûr. Oh non. Ah, ça se couvre. Ouch. Ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Ça va, j'ai perdu personne. Vas-y mon gars, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Vous avez éliminé la... Ah, on l'a défoncé. Le con. Il s'est bien fait mal en mon cœur. Et revenez. Allez, prends-toi ça. Ah bah ça les a tous TP. Parfait. Parfait, parfait. Ça m'évite de faire des choses. Alors, on va faire le tour. Et la mini-carte qui est là, heureusement. Allez, cassez-vous. J'ai mes gardes impériaux. Allez, salut. J'ai jamais vu un esclave comme toi. Je suis pas un esclave, enfoiré. Je suis l'overlord, respectez-moi. Pousse-toi, la grosse. Mais pousse-toi, là, j'ai dit. J'aurai ma propre chaise à porteur. Allez, grosse vache. On va se faire discret. Aïe. Mais cassez-vous. Mais niquez-vous. Ouch. Qui... J'ai perdu 10 de mégas? Sérieusement? Je me suis trompé, c'est ça? Je me suis trompé. Je devais pas aller là. J'ai été un petit peu trop précipité. Attendez, attendez. On va regarder la quête. Mais par où est-ce que je dois passer? Si c'est pas par là. Attendez. Il paraît que les mauvais esclaves finissent dans l'arène. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Meurs. Ah, mais par là. Mais très bien. Quel gros sac. En même temps, un mec en armure comme ça, avec full team de gardes impériaux, ça fait un peu bizarre. Allez, cassez-vous. Mourez. Des bruns, des rouges, des bleus, des verts. Pour le maître. Donc vous voyez, ils ont un peu de tout au niveau du stuff. C'est assez rigolo. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas du tout par là. Mais genre... pas du tout. Allez, on tue quelques-uns, j'ai besoin de vitalité. Vitalité.
Alors normalement il doit y avoir un book. Qui va avoir un peu défoncé, même pas. Oh, un petit massacre, ça faisait tellement longtemps. Bah c'est un petit peu de la chasse hein, finalement on se rapproche de Monster Hunter. Non je déconne, pas du tout. C'est pas du tout du Monster Hunter. Oh j'ai perdu une masse de rouge. Les rouges sont difficiles à avoir en plus. Je suis tellement... tellement de me payer mes larvins. Oh wait, je m'en fous. Donc une petite boule de vitalité égale un larbin. Donc ça vous permet de vous faire un gros stock, mais ces stocks, vous en avez besoin. Pas juste comme ça au pif. C'est parce que vos armes ont besoin de vitalité. Parce que pour crafter... par exemple, pour mon arme, il a fallu de l'essence de feu. Et quoi de mieux que d'utiliser une créature magique enflammé tel qu'un larbin rouge. Et ouais. Bada bada bada. Oh, un cadeau. Ouais, du pognon. Du pognon, du pognon. Nous aimons le pognon. Je vais même refaire un stock de larbin parce que là je suis... Alors des verts déjà, il m'en faut 3. Hop, il me faut 5. Voilà. Et du coup, on a un total de pourcentage, en fait, on a un pourcentage de... Allez, tu vois ça. Un pourcentage de dégâts, en fait, c'est l'efficacité de... Ah, mais arrêtez de boire, bande alcoolique. Revenez. Alors, la quête, la quête. La carte. Par où? Ah, peut-être par là. Attendez, attendez. Oh, faut pas que j'aille directement dedans, mais faut que je remonte. Peut-être ça, c'est peut-être ça. Fais-moi ça. C'est de la merde. Mon outre-tain. Et ça vous fera du stuff. Allez, meurs, meurs. Mourez, bande de chiens! Sous les coups de mes larbins! Ah, et on voit que ça monte vite, hein! Ça monte assez vite au niveau de, du pourcentage. On va tuer le gargantua. J'ai envie de le tuer. Un petit plaisir. Tiens, l'Overlord aussi il y participe. Ah, il m'en a tué un, saloperie va. C'était le vert à mon avis qui était en train de s'enflammer. On va prendre nos brins. Olé Tolo! Olé! Meurs! Parce que je le veux! Tiens! 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 Allez, brûle! Brûle par les flammes de l'enfer! Le biscuit qui pète son câble! Meurs! Oh bah du coup oui c'est vrai que lui il a du gros stuff lui. Il a du très très gros stuff. Et ça c'est cool. Bada 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 bada. Alors il me semble que sur cette partie je suis parti sur un aspect de domination.
comprends ce gros porc qui... Mais enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces malotrus? Ils vont finir par saccager tout mon jardin! Garde, occupez-vous d'eux! Oh, c'est Tristus. Le revoir me donne envie de vomir. Tu sais qu'il a essayé de me donner les biches à Paris. Oh, c'est gros ça. Encouragé à me condamner pour sorcellerie. Punis-les tous les deux, Seigneur. Oui, oui, je fais ce que je veux. Mais bon, une maîtresse, comme disait Bicorny, une maîtresse en colère, ça a été devenu pire qu'un Overlord. Une source de magie intarissable. Attendez, on peut pas mettre plus. Non, on peut pas mettre plus. Allez, c'est l'heure du massacre, hein. Détruisez-moi tout ça, faites-vous plaisir. Voilà. Obéis-moi, à genoux. Toi aussi, les grosses. Toi, ou... Oh, surtout toi là. Surtout toi là. À moi. Ah merde! Merde! J'ai rappelé tout le monde alors qu'il y a le caillou qui est en chemin. Ah, quel caca caca. Le caillou, il est où? Ouais, ça se trouve, il est juste à côté de... Il est juste à côté de la pierre. Ah, ils sont passés par là. Ok. Ah, je le vois là-bas. Faut attendre. Avant de les rappeler, faut attendre que le caillou soit parti parce que sinon... On va avoir quelque chose. Allez, portez-moi ça jusqu'à ma tour, la tour des tréfonds. Donc une tour qui va pas vers le haut, mais qui va vers le bas. Je me demande combien de temps la mise à jour va se faire. Peut-être qu'on reviendra. Un autre catalyseur de sort, Seigneur. Ah oui, c'est vrai. N'oubliez pas de choisir votre salle de magie pour l'attribuer à un sort. Mais oui, mais oui. Ouais, mais ils sont en train de tuer... Meurs! Meurs par une flopée d'ennemis! Mais non, vous êtes... Oh, ils sont trop cons pour aller détruire quelque chose. C'est ça, en fait. Ah, mais il y a du monde à assouvir! Viens! Trop fort! Tiens! Oh, toi aussi, là, arrête de courir! Tiens! Ah, mais c'est bon, ils sont tous à moi. À moi! Alors. Est-ce qu'on va les tuer ou les assouvir? Mais ne nous tuez pas! Ne nous tuez pas! Quand je parlais de malotru, c'était un compliment! J'aime pas qu'on me lèche le cul. Alors on a le choix. Je vous appartiens, maître. Non, arrêtez de... Je veux viser lui, là. Voilà, je veux les assouvir. Ça sera mes esclaves. Comme dans Milieu aux esclaves, où le maître inverse avec ses esclaves pour devenir esclave. Les dames de la cité connaîtront vos maléfiques prouesses. Attendez, je suis sûr qu'il y a des choses. Oh là, ça tombe au thé. Et puis les moins serpents. Ah! Ça fait du bien de retourner sur ce jeu, ça détend. Ça détend, c'est un petit massacre comme ça. Ah, on va s'infiltrer.
Oh là, les chaises de porteur, avec porteur, quoi. Pff, mon dieu. Quelle ignominie. Votre seigneurie devrait faire profit bas pour l'instant. Mais qui sont cons ? Mort difficile de descendre plus bas. Vous devez vous diriger vers les prisons de la reine et les retrouver vos démons. Les bas fonds souterrains constituent le passage le plus rapide et sûr, seigneur. Comme tu voudras. Ferme les yeux, retiens ta respiration et traverse les bas fonds. Une grande partie de la vie est protégée par un écran anti-magisme. La magie est impossible, même la pauvre. Mais il semble que l'écran couvrant l'arène et les bas fonds à proximité aient été désactivés. Crasseux cherche actuellement un endroit pour creuser une porte. Tu as vu les grosses grenouilles ? Elles sont dégoûtantes. Alors attention à l'eau parce que c'est con, ils savent pas nager et du coup. Allez, on explose tout. Voilà. Cassez-vous! Mais cassez-vous, qu'on demime! Il paraît que les gens de là-bas ont de terribles problèmes de grenouilles. On s'en fout des grenouilles! Tu as vu les grosses grenouilles ? Elles sont dégoûtantes. Je déteste cet endroit. Ah bon ? Les bas-fonds. Je n'ai là, vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Avant. En position. Attendez, attendez, attendez. Où est-ce que c'est ? Vraiment, ça, c'est une grosse... grosse porte, mais est-ce que je peux l'ouvrir ? Ma maîtresse me demande vraiment des choses insensées. Certains sont partis s'occuper de ces monstres, mais on ne les a jamais revus depuis. S'en fout, je m'en fous de ta vie. Vous êtes un gladiateur ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je suis un, comme tu dis, un gladiateur. Allez, cassez tout. Ils ont déjà rien, les pauvres. Pas une raison pour pas les... leur briser les couilles. Je me brise la couille, Kyle. Oh, regardez. Un beau gladiateur. Oh mon dieu, je vais vomir. Je voudrais retourner pêcher le phoque à Nordberg. Ouais, t'aurais dû rester dans ma ville. Maintenant, ils sont tous au mon commandement. Alors, par contre... C'est pas jeté dans l'arène. Par contre, j'aimerais bien... Tu m'as l'air tout à fait compétent. Merde. Mais merde, c'est où ? Que fait un gladiateur dans les bas-fonds ? Solarius se moque de ce qui se passe dans les bas-fonds. Mais où est-ce que c'est ? Ah, c'est peut-être à moi de mettre un coup. Les grosses grenouilles ? Elles sont dégoûtantes. Peut-être. Je déteste cet endroit. Vois-toi, vois-toi. Certains sont partis s'occuper de ces monstres, mais on ne les a jamais revus depuis. Putain. Je voudrais retourner pêcher le phoque à Nordberg. Il y a une maison qui contient... J'espère une que vous êtes là pour vous occuper des grenouilles. Hé, hey, vous êtes un gladiateur ? Voilà. Je protégerai le maître. Arrêtez de me saouler, voilà. Combattrai tous à moi. Et pour vous seul. Vous êtes mes choses. Personne ne vous touchera. Et vous allez mourir pour moi. Je vous protégerai des mécréants. Ils s'inclineront devant mon seigneur. Voilà. Je protégerai le maître. Voilà. Je suis votre fidèle esclave. On est d'accord. Attendez. Trouver les prisons de la reine. Oui, c'est bien, mais... je peux pas y accéder. Alors ça se trouve, le jeu a bugué, peut-être. Non, ça devrait être plus simple que ça. Mais arrêtez de chialer, bordel!
Vous me saoulez. Où est-ce que tu viens? De ton cul. Tu m'as l'air tout à fait compétent. D'accord, il était là. Il était dans la dernière maison qui avait bugué. Oh, regardez. Un beau gladiateur. Ah, parfait. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts parce qu'ils ont été trop cons pour vivre. Je vois tous ces rats pour leur vitalité. Mais il n'y a rien pour ces rats. Je trouve ça bien. Oui, quelle pauvreté, quelle saleté. C'est comme tout le monde, ne t'en préoccupe pas. Allez, combattre ça. Ils s'inclineront devant mon seigneur. On va pas rester là, les attaques. Elles vont attaquer maintenant. On trouve de drôles de choses dans les rats. Mis à part les habitants. Allez, hop. C'est un petit peu un jeu. Mais ils sont cons. Mais ils sont trop cons. Mais ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Mais sérieusement. Non, mais il doit bien y avoir... Rien d'arrêter cette merde. Voilà, c'est ça. Oh là 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 là, mais sérieusement. Ils étaient trop cons pour vivre, ils se sont... Je parlais des habitants qui se sont suicidés sur la lourde porte. Et eux, ils sont pires. Oh là là là. Sérieusement. Allez ! Tiens. Cuisse de grenouille pour ce soir, ça vous va? Oh là là, j'ai perdu exactement le même nombre, c'est fou. 5. Hop, 1, 3. Alors, peut-être un peu plus de bras. Ouais, une maison qui bloque mon chemin, détruisez-la. Mais cassez-vous, bordel de merde. Oh, vous me saoulez tellement. Oh, brisez tout, j'en ai marre. Ils m'ont saoulé, j'ai plus envie de les voir. Voilà. Je ne te reconnais pas. Ouais, c'est bien. Voilà, je vois le seul richesse. Ce bruit de mitraillette. Ah, ta. Voilà l'entrée des prisons de la reine. Qui veut une entrée gratuite pour les jeux de la reine? Admirez la splendeur des jeux. De très très près. Entrez et nous vous escorterons jusqu'à votre propre loge spéciale. Oh, des démons. Qu'est-ce que c'est? Ah, Crassus. Et vous feriez bien de trouver un moyen de l'atteindre. Oui, t'en fais pas. Je suis sur le coup. Je suis en train de tuer tout ce qui passe. On va vite fermer cette cochonnerie parce que sinon ça va me saouler. Tous en position. Non. Arrêtez. Oh tiens. Un peu la bataille là pour me dégourdir. Tiens. Vous pouvez me dire merci, je vous ai sauvé la vie. Bande de chiens. Voilà. Une maison à détruire peut-être ?
cadeau. Une maison à détruire et un cadeau. Que je ne peux pas aller chercher, bien évidemment, parce que je ne peux pas envoyer mes larvas dans l'eau. Et ouais. Et là, t'es un peu dégoûté. Hop, on va se régénérer un peu. Hop, parfait. J'ai perdu. Hop. Qu'est-ce que c'est? Meurs. Ah, les bleus. Vous pouvez utiliser ce radeau pour l'atteindre, mais il vous faudra des larbins bleus pour le pousser. Il n'y a qu'eux qui sachent nager. T'es con. Bien que les autres larbins soient très bons pour vous, trouvez un autre passage vers les prisons et localisez vos petits animaux. Vous le mouillez de l'Empire. J'aime une bonne chasse, une petite effusion de sang. Mais ça devrait être équilibré, comme dans la nature. Comment ça lui tellement. Il est où le challenge? Ça sert à rien. Allez, tuez-moi ces grosses vaches. Ah oui, c'est parce qu'il faut que j'en... dépose. Ah mais tu m'as fait mal. Tiens. Nous sommes innombrables. Ça à quoi ça? Je ne sais pas. Pas quoi ça sert, on va les poser nos larbins. Allez hop. Au dodo. Ah oui, parce qu'il me faut des bleus, donc faut que j'aille chercher. Vous allez devoir continuer seul. Ne vous inquiétez pas. Vos larbins retourneront au puits de création pour faire une partie de pouilleux massacreurs. Ah. Et avec de la chance, vous trouverez nos bleus à l'intérieur. Le pouilleux massacreur. J'ai hâte de voir cette vermine magique dans l'arène. Ces trucs bleus vont être un bonheur à voir. Ah, ils font mal, hein. Ils font assez mal. Faire attention. Merde. Tiens. Ok, trois coups d'éclair, c'est beaucoup plus efficace. Hop. Ils ont enfermé les bleus dans ces urnes. Trouvez-en d'autres et libérez-les. Tiens, saloperie. Oh, toi je vais... Oh les gnomes. Oh je peux pas les... Tiens. Tiens. C'est des sales trolls les gnomes. Meurs. Je les supporte pas. Bien évidemment.
Par contre, ils sont assez faibles, donc au niveau du corps à corps ou quoi que ce soit, les bleus ne sont vraiment pas là pour là, pour ça, mais ils sont utiles. Ils sont utiles parce que déjà ils nagent, donc ça c'est déjà pas mal. Allez, libérez votre pote, voilà. Badabadabada. Ah oui, quand ils se déplacent, ils sont à moitié fufu, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, leur principal intérêt au niveau des bleus, c'est surtout parce que... ils ressuscitent littéralement tous vos larbins qui sont tombés. Alors le 236 sur 1000, c'est... pour, c'est une petite vengeance par rapport à l'histoire. Il y a le chef d'Ekdome qui m'a vu et qui me disait comme quoi il voulait bien me marier à sa loutre de compagnie et que je devienne son esclave. Et on a décidé joyeusement de tuer ces foutus gnomes jusqu'au dernier. Donc on va tuer 1000 de leur population déjà, ça sera déjà pas mal. Pas question de les asservir ou quoi que ce soit. Vraiment juste les tuer. Juste les tuer pour le plaisir. Ok. Là, on va récupérer un maximum. Ah, il y a les exterminateurs, donc faut pas se tromper. Paf! Parfait. Il m'en faut 12, il me semble, quelque chose comme ça. Oh merde! Non, c'est bon. Il m'en faut juste 8? Ça me paraît bizarre. Ah oui, il m'en faut juste 8. Toutes les plaques de pression, hop. Ah, c'est trop profond pour moi. Hop. Et là, il m'en faut tous, par contre. Ah oui, c'est un petit jeu. Un petit mini-jeu. Ah mais c'est vrai, faut que j'en poste, faut que j'en poste un. En position. Faut que j'en poste un parce que c'est con. Il se suicide en fait, techniquement. Oui. Thank you.
Hop. Allez, fais ton office. Je suis à 10. Tous ! Ça donne quoi à 10 là ? Allez ! Ah, une grosse potion par contre, ouais, ça fait plaisir. Et il faudrait qu'il soit 20. D'accord, ok. Faudrait qu'il soit 20. Alors, le jeu est bourré de petites énigmes, des choses comme ça. Voilà. Il a sauvé ton pote. Et voilà le dernier. Tous choisis. Trop mignon ce petit truc. C'est bon, tout le monde est debout. Tous. J'ai cru qu'il fallait qu'il soit 10. Tous. Hop, allez, on avance. Chouine. Bien évidemment. Bien évidemment, déroulé. Vous devriez savoir, ô seigneur, que les bleus disposent d'une capacité dite de fugacité qui leur permet d'être brièvement invisibles lorsqu'ils sont. Ça, c'est le stock, au cas où, si vous en sortez. Vous pouvez les utiliser pour passer furtivement des gardes et accéder à des roues ou des commutateurs. Ah oui, c'est vrai. La fugacité. Voilà. Que là, en gros, les bleus là ne survivraient pas au combat contre les méchants. En position. Voilà, donc en gros vous dites ouais mais ils sont nuls et tout ça, mais en fait non. Parce que comme ils se régénèrent, enfin comme ils arrêtent pas de comment on dit, comment devrais-je dire, de stress, du coup ils sont limite invulnérables contre des petits groupes. Ah, fait mourir. Ah, ils font tellement de dégâts. Tellement de dégâts, j'ai pas vu. Ok, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la. Du DLL. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être parti. Donc je vais arrêter le live un peu plus tôt pour pouvoir DL tranquillement Monster Hunter, la mise à jour de Monster Hunter. Et je reviendrai ce soir, cette nuit, slash cette nuit, sur du Monster Hunter Online. Je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Bye.